Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, comme chaque semaine, nous voilà de retour pour vous parler des films qui nous ont marqués. Eh bien, on va en choisir deux, comme d'habitude. L'un sera le film d'Agnès Jaoui qui s'appelle « Place publique ». Et puis, on réservera un sort particulier à un film qu'on aime beaucoup à Télérama. On n'est pas les seuls, mais Télérama l'a beaucoup défendu. C'est « Mes provinciales » de Jean-Paul Sivérac, qui est un film romantique, romanesque. On va vous en parler. On sait Jacques Maurice. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Bon, on choisira aussi, comme chaque semaine, quelques choix parmi les livres, films à la télé et tout. Mais nous allons commencer donc par « Place publique » d'Agnès Jaoui. Avant toute chose, je te propose, et je vous propose à vous, de regarder un extrait de la bande-annonce. Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est pas possible. Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresses, t'arrives, tu m'agresses. Mais qu'est-ce que c'est beau ici ? T'as vu, à 35 minutes de Paris. Et enfin, un vol d'oiseau. Hein. Arrête avec ton vol d'oiseau. Tu connais Biggie Star. Ah oui, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants. Et tu veux donc ? Parce que je t'ai dit. Qu'elle passe chez Castro ? Voilà. Elle est sur le point de se faire expulser. Elle est connue ? Non. Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu. Non, c'est une afghane. Nous, on travaille, on se lève mais tôt. Mais moi aussi, je travaille. Non, mais je comprends pas, vous entendez à ce point ? Mais à la fois, c'est une fête, hein, on va pas chuchoter. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina ? À cause du postiche ? À cause du postiche, oui. Alors, le film d'Agnès Jaoui, ben, on a toujours beaucoup défendu Agnès Jaoui ici. Cette place publique, ce film qui s'appelle Place publique, est un tout petit peu plus essoufflé que d'habitude, Jacques ? Oui, je dirais essoufflé, limite un peu paresseux. Bon voilà, l'idée, alors, c'est une fête. On a beaucoup vu ça. On a déjà vu ça. D'ailleurs, on ne cesse de penser au sens de la fête, ce qui n'est pas forcément à l'avantage de Agnès Jaoui, parce que dans le sens de la fête, qu'on aime ou pas le film, il y avait une mécanique, j'allais dire, un peu du gag, et puis qui faisait que le film pouvait être au moins efficace, hein, quand même. Là, c'est plus mélancolique, ça joue plus sur les traits de caractère. Comme d'habitude avec Agnès Jaoui. Oui. Sauf que je trouve que sa galerie de portraits est pas toujours fine. Et je trouve surtout que les personnages, et c'est un peu le problème majeur du film, je trouve qu'ils évoluent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours un peu dans quelque chose d'assez binaire. C'est-à-dire qu'ils sont soit désagréables, soit agréables. Enfin, ils ont une allure comme ça un peu antipathique et puis ils se révèlent. Bon, mais plus sympathiques qu'ils n'en ont l'air. Et du coup, il y a un peu des... Ça tourne un peu en rond, en fait. Hormis, alors bon, Bacri est toujours drôle, mais même Bacri, dans un rôle qu'on a déjà vu de bon cynique... Alors lui, joue donc une sorte d'animateur... D'animateur de télévision. Vieillissant. Vieillissant, et qui est plus ou moins sur le déclin. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir... Enfin, lui s'inquiète de savoir si l'émission va être renouvelée. Et on l'a déjà vu finalement dans ce type de rôle-là. Et il est quand même malgré tout assez drôle, non, mais il est un peu limité. Drôle. Il y a Léa Drucker qui est productrice friquée, un peu caricaturale, mais oui. Drôle. Et il y en a des comme ça, quoi. Voilà, ça c'est certain. Mais c'est limité, c'est-à-dire que il y a des situations assez drôles, il y a des choses assez drôles entre Bakri et un jeune, une jeune star de YouTube. Sur la mélancolie de la vieillesse, y compris avec ses propres enfants, parce que Bakri et Jaoui, qui joue son ex-femme, ont une fille qui a écrit un livre un peu règlement de compte familial. Et tout le monde le prend mal, évidemment. Tout le monde le prend mal, surtout Bakri qui... qui a un problème de cheveux. Voilà, je me tâte moi-même. Non, mais tout ça n'est pas, il faut le dire... C'est pas indigne. C'est pas du tout indigne, c'est pas honteux. Mais... C'est bien écrit, si l'on veut, parce que chacun des personnages est très défini. Mais de la part de Bakri Jaoui,
que ce soit dans les pièces de théâtre et dans les scénarios de cinéma, il me semble qu'il y avait plus d'inventivité et de rythme que dans ce film, un peu trop lent. Oui, lent, et je me répète, mais qui donne l'impression un peu de tourner en rond. C'est-à-dire que les personnages, finalement, au bout du compte, les plus intéressants sont les personnages secondaires, notamment les jeunes. Ah, les jeunes, tu es bien gentil, tu veux dire... Les personnages, le chauffeur, par exemple, de Batik, qui est joué par Kevin Azaïs. Il n'est pas très bon, Kevin Azaïs, là. Enfin, c'est pas de sa faute, d'ailleurs. Mais le personnage, au moins, voilà, lui, il se passe quelque chose avec lui, il y a une évolution, et y compris pareil pour la fille Nina Meurice. Bon. C'est une petite déception. Maintenant, peut-être que vous, ceux qui nous écoutent, fidèles à Bakri et Jaoui, aimeront ce film-là, qui, encore une fois, leur rappellera de bons souvenirs, mais il me semble en plus, on en a un tout petit peu plus académique. Oui, on va dire que pour regarder les autres, surtout, c'est au regard de ses précédents. Voilà, c'est surtout parce que sinon, Y compris le dernier film de Jaoui qui était très très bien, qui était beaucoup plus personnel, parce que c'est ça en fait, le problème du film-là, c'est qu'il n'est pas assez personnel. Au bout du compte, c'était un film qui était bien. Non, mais voilà, c'est un petit accident de parcours, mais enfin, ça peut arriver. Voilà. Nous allons passer maintenant au film de Jean-Paul Sivérac, qui n'est pas encore un réalisateur très 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 connu, mais dont on espère vous faire connaître. Mais provincial. Le sujet, c'est simple, c'est des étudiants de cinéma qui arrivent chacun de leur province, qui se retrouvent à Paris, et on va en parler avec Jacques, essaient de percer, de commencer à faire un court-métrage. Alors, je vous propose d'écouter deux des interprètes du film, parce que c'est un film choral. Il y a Corentin Fila et Sophie Verbeek qui vont nous expliquer, enfin nous dire si, pour eux, c'est un film romanesque ou pas. Et je vous signale que l'interview intégrale de ces deux comédiens, vous pouvez évidemment la retrouver sur telerama.fr, ça va sans dire. On les écoute et ensuite on revient avec Jacques pour vous dire le bien qu'on pense de ce film. Il y a une telle verve chez les personnages et une espèce de feu comme ça à travers la parole qui raconte beaucoup d'idéaux. Et en fait, tout de suite, il y a quelque chose de très lyrique et romantique dans ces flots de paroles. Ouais. Je l'ai vu tout de suite quand j'ai lu le scénario. La première fois, je l'ai trouvé très romantique. C'est dans l'ambiance du tournage. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là avec... Jean-Paul, qui est un réalisateur romanesque, qui a quelque chose de... C'est un romantique, tu le sens, même quand il dirige, il a une espèce de douceur et une émotion qui vient comme ça, qui est... Je le sentais de là. Alors donc, on est bien d'accord, Jacques, c'est formidable ce film. Oui, je trouve ça vraiment... c'est vraiment à la fois très beau, très émouvant... Très romantique. Très romanesque, romantique. Alors, il faut peut-être un peu développer cette idée de romantisme, parce que dit comme ça fait un peu bizarre de dire romantique. C'est tellement presque anachronique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est, je trouve que la beauté du film, c'est son anachronisme assumé. Parce qu'en fait, donc, ce tableau ce portrait de groupe d'étudiants dont tu as parlé, en fait, ça se passe aujourd'hui, oui. Mais ça pourrait se passer dans les années 80, ça pourrait se passer en 1960, pourquoi pas. Il y a vraiment... aujourd'hui, parce qu'on voit, on entend la campagne électorale de Macron. Oui. Quelques indices qui, voilà, de l'engagement de Sophie Verbeek, humanitaire, mais qui pouvait en effet être il y a longtemps. Enfin, ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est assez subtil, parce que mine de rien, c'est assez compliqué de réussir à rester justement sur cette ligne d'intemporalité. Et donc, romanesque, parce que c'est comme un récit d'apprentissage et d'éducation, j'allais dire à la Flaubert ou Balzac. C'est ça. Oui. Donc c'est la question de l'apprentissage sentimental, politique, esthétique, parce que ces étudiants, ça c'est aussi la particularité du film, c'est qu'ils ne cessent bien sûr de revendiquer des amours, j'allais dire, esthétiques, donc des livres, donc on parle beaucoup de livres, on parle beaucoup de films. On écoute de la musique. Si on aime Bach, film en plus... Bach et Mahler. À cause de Mort à Venise, évidemment, parce que tout ça a des liens cinéphiles. Et donc, donc, c'est une peinture que je trouve extrêmement juste, du romantisme, peut-être pas de toute jeunesse, mais quand même souvent de la jeunesse.
y compris dans sa fougue et son intransigeance, mmh. c'est-à-dire même j'allais dire son côté terrorisme intellectuel. Quand on a 19-20 ans, on croit avoir des certitudes sur les auteurs qu'on aime bien. Donc du coup, il y a aussi des querelles esthétiques entre ceux. Il y a un effet notamment qui aime le Diallo, et donc ses copains lui reprochent, lui disent mais comment tu peux aimer ça. Donc il y a des discussions intellectuelles qui sont assez riches, mais qui sont pas du tout rébarbatives. Et je trouve qu'il épouse ce romantisme jusqu'au bout, jusqu'à une forme de noirceur aussi, parce que c'est pas un romantisme mièvre, au contraire, c'est un romantisme limite suicidaire. Je vais pas dévoiler les choses. Au sens propre du terme, le romantisme est noir. Et au sens allemand d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que et puis il y a le clan qui est toujours très intéressant. Il y a par exemple le personnage que joue d'ailleurs Corentin Fila, qui est un peu le chef, enfin le modèle, oui. À la fois agaçant, méprisant des autres, mais qui fascine tout le monde et que tout le monde voudrait tout le monde voudrait devenir proche en même temps, et qui repousse certains. Et il y a ça, tout le monde a connu, je crois, dans l'adolescence, des meneurs comme ça, oui, des c'est meneurs ça. Avec, littéraires. Avec l'idée de clan aussi, l'idée des amitiés maléfiques, des rivalités aussi, des querelles aussi de pouvoir à l'intérieur des groupes. Je trouve que tout ça est très très intelligent. Alors je vais me faire l'avocat du diable juste pour animer le débat. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, et donc c'est un film vraiment qu'il faut aller voir. Peut-être ce qu'on peut lui reprocher, mais tu vas me dire que ça fait partie de son style, il y a toujours ce qui est un peu agaçant quelquefois chez Jean-Paul Sivérac, à savoir une certaine froideur de la forme. C'est-à-dire que même quand il peint les amours de ce héros, car il y a un héros principal autour duquel tout tourne, en quelque sorte, il y a une certaine froideur. Il n'a pas accès à la sensualité, par exemple. Pour moi, ce n'est pas du tout un film sensuel. Alors, moi, je trouve qu'il y a des séquences de lit, il y a des séquences d'amour, je trouve. Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, je trouve sensuel. Mais disons que c'est pas... C'est profondément un cinéaste du sentiment. Oui, oui, voilà, c'est plus que de la sensualité. Mais je trouve en même temps qu'il filme tout, d'ailleurs, tous ses acteurs, parce qu'on a parlé de Corentin Fila, Sophie Verbeck, il y a aussi Adranik Manet, qui est vraiment très très bien. Et il les filme, ils sont tous très très beaux, alors dit comme très, ça, très beau, beaux physiquement, mais beaux aussi, beaux dans leur âme, si j'ose dire. Et c'est pas si fréquent dans le cinéma français. Bon, mais j'espère qu'on vous a donné envie de voir ce film. Courez-y, parce que vraiment... C'est un film important. Il y a plein d'influences. Je reviens juste vers toi. Bien sûr qu'on peut penser à... Moi, j'ai pensé à certains moments à Eric Rohmer, Ma nuit chez Maud, peut-être Celle noire et blanc. Oui, parce qu'il y a, d'abord, parce qu'on n'a pas dit, mais il y a un souci quand même de l'écriture. Enfin, vraiment, c'est aussi un film très littéraire dans ses dialogues, mais sans le côté pesant qu'il peut avoir. Alors, c'est pas totalement Rohmer non plus, parce que Rohmer est non, plus ironique. Non, parce que c'est moins distancié. C'est moins distancié. Il y a aussi... C'est entre Rohmer et Eustache. Et parce Eustache, qu'on pense voilà, aussi à Eustache, mais avec la... Avec peut-être, même si j'ai parlé de romantisme noir, c'est quand même moins. Il y a moins de remords comme il y a chez Eustache. Chez Eustache, il y a quelque chose de rancœur. De rancœur, plus que de remords. Là, on ne peut pas parler vraiment de rancœur. Il y a un élan, il y a une fougue, mais pas vraiment de rancœur. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Et nous allons passer au conseil. Alors, Jacques, on commence par toi. Tu voudrais signaler en salle une reprise, d'un cinéaste que tu aimes beaucoup, d'ailleurs, tu n'es pas tout seul, qui s'appelle Jean-François Stévenin. Jean-François Stévenin, connu comme acteur, un peu moins connu comme cinéaste, et Dieu sait qu'il a fait trois films qui, pour moi, sont vraiment très importants dans l'histoire du cinéma. Passe-Montagne, Double Messieurs et bien. Mishka, et qui sont véritablement des ovnis, c'est-à-dire un mélange de ça, on pourrait dire que c'est du Cassavetes français, c'est-à-dire et campagnard, parce que même ou provincial, même s'il ne faut pas dire provincial maintenant. Surtout pas après le film de Sivérac, d'ailleurs. Voilà, sur des équipés, des aventures, des explorations très siphonnées, un peu surréalistes. Et qui sont vraiment des voyages au bout de la France. Je dis ça volontairement parce que Stévenin, sa grande marotte, c'est Céline. Il a toujours voulu adapter Voyage au bout de la nuit. Il n'a jamais réussi. Peut-être qu'il le réussira un jour. Mais il y a un peu de l'esprit célinien, en peut-être plus en joyeux. Cas, oui.
dans le dans ce cinéaste que chez ce cinéaste que tout à fait raison, original. Voilà. Moi, je voudrais signaler un petit film que j'aime vraiment beaucoup, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Cathy Says Goodbye de Wayne Roberts, et surtout pour sa comédienne qui s'appelle Olivia Cook, qui a le rôle dans le film d'une jeune femme très très gentille, très bonne, qui ne sait pas dire non. Ni aux hommes, ni aux gentils, ni aux méchants qui l'entourent, ce qui l'amène quelquefois à être rejetée par les seuls qu'elle aime vraiment. C'est un mélo très touchant et il y a cette actrice qui a ce visage que vous voyez là et qui est très belle, très touchante, très émouvante dans ce mélo qui s'appelle donc « Cathy Says Goodbye ». Ne pas rater. On revient à toi, Jacques, avec un film à la télé. Alors, on change complètement, là. Complètement de genre. L'évadé d'Alcatraz, de Don Siegel. Un de mes auteurs favoris. Ah oui, je sais que tu aimes beaucoup. C'est pas le dernier film de Don Siegel. C'est l'un de ses derniers. En tout cas, c'est le dernier vraiment bon film de Don Siegel. Donc, c'est sur un suspense carcéral. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est trois détenus dans la fameuse et légendaire prison d'Alcatraz dans la baie de San Francisco, qui monte un plan pour s'évader. Alors, l'intérêt du film, c'est qu'il y a Eastwood, et Eastwood que Don Siegel avait lancé dans ses premiers films, et Don Siegel a toujours été un peu un mentor pour Eastwood. Donc là, c'est leur dernier face-à-face, je veux dire, avec l'un qui met en scène et l'autre qui joue. Et on retrouve aussi un peu ce qui a façonné aussi ce personnage légendaire d'Eastwood, c'est-à-dire quelqu'un comme ça, d'espèce de sécheresse et d'impassibilité, le héros impassible, et qui en même temps est capable de faire des choses incroyables. Voilà. Très bien. Et puis moi, je terminerai donc par un livre, bientôt c'est Cannes, comme vous le savez. Et bien voilà que Gilles Jacob fait paraître ce livre que je vous montre, « La dictionnaire amoureux du Festival de Cannes ». Vous savez, c'est un peu épais, comme vous voyez. Gilles Jacob est un spécialiste. Il a été délégué général de Cannes pendant des années, puis président de Cannes. Et là, bon, comme tout dictionnaire amoureux qui se respecte, eh bien, il égrène des souvenirs. On voit, comme il aime beaucoup, il est très sensible au charme des femmes, on voit toute la tendresse qu'il éprouve, par exemple, pour Sharon Stone, par exemple. Mais aussi, il parle très délicatement et très habilement des compromis, des jurys, des disputes, des clans, des rivalités. Et puis, il fait des portraits comme ça, tout à fait savoureux de ce Festival de Cannes, dont il reste un grand amoureux. Voilà, donc, avant Cannes, le livre de Gilles Jacob, Dictionnaire amoureux du cinéma, c'est chez, je vais y arriver, Plon. C'est chez Plon, c'est difficile à dire. Merci de nous avoir suivis. Merci, Jacques. Et la semaine prochaine, eh bien, Cinérama vous parlera de La Révolution silencieuse de Lars Kraume et d'un film dont je ne sais pas si je prononce bien, Jacques, tu vas me dire, c'est Takara, c'est bien ça, de Damien Manivelle. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.